Et salut à tous les amis, c'est Grosslis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 2, j'espère que vous allez bien, pour ma part je suis motivé à finir cette campagne aujourd'hui, malgré qu'il y a des zombies pas beaux. Hein, maintenant il faut que j'aille refroidir ma petite cartouche. Pour aller refroidir ma petite cartouche, il faut que j'arrive à descendre déjà, voilà. Et puis tout va bien se passer, je vais éternuer. Ça monte. Achoum. Allez, faisons ce qu'on a à faire. Bienvenue, Docteur Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Ici, on les a lus avec Léon, donc je vous laisse lire en mettant en pause. Voilà. Ouh. Si j'avais su, j'aurais pris ma parka. Parka. Yeah, parka. Et hop, c'est parti pour l'animation la plus longue du jeu. Refroidissement en cours. Voilà, merci. La cartouche d'herbicide. Refroidissement terminé. Voilà. Et normalement, c'est fait. J'ai plus rien à faire. D'ailleurs, dans le labo, je crois que j'ai plus rien à faire de ce côté-ci. À part la serre pour le petit machin manquant. Dans cette partie, j'ai plus rien à faire. Je peux m'en aller. Tout va bien. Dès qu'il gratte. Tous ces allers-retours, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ah ! Et quoi, vous avez décidé de m'emmerder aujourd'hui? Bon, c'est pas comme si je pouvais les brûler à volonté. Allez, pulvérisons la solution, parce que j'ai la solution. Haha, jeu de bonne merde. Pulvérisation de solution en cours. C'est ce que j'appelle désherber. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Oui, merci. Voilà. Du coup, je peux m'en aller. C'est pas la meilleure idée que je fais parce que je gaspille toutes mes grenades et tout. C'est pas. C'est plus phénoménal. Wow. On se calme, hein, monsieur. Voilà. Hop, la boîte de réception, on l'a lu avec Leon Kennedy. Voilà, merci. Maintenant, je peux m'en aller. Mais avant de m'en aller, je vais faire un petit tour par le coffre. Pour déposer ça. Et reprendre ça. Si j'ai trop de merdier, ça je peux le déposer. Ça je le reprends. Ça je vais prendre une petite réserve de plus, donc 35. On va faire ça dans l'autre sens, ça sera plus rapide. Voilà. Hop, voilà. Lui, je n'ai plus qu'une balle dedans, mais je pense que je pourrais le recharger sans problème. Tac, tac.
tac, 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 tac. Je n'ai plus de couteau de combat, ça pose un problème. Je vais même prendre celui-là, ça sera mieux. J'ai pris du soin, oui. Tac, 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 tac. Voilà, et on sauvegarde. Si je bloque comme un con, ça va pas le faire. Tu m'étonnes. Ah, la cassette vidéo du labo. Voilà, merci. Une grenade. Que j'ai pas pu stacker parce que cet inventaire est bizarre. Bon, il est moins bizarre que Sorey Recette, hein, par contre. Et là, le AWS. Examiner. Voilà. C'est quand même chelou ce machin. Et du coup je vais pouvoir le poser dès que j'aurai vu la cassette. De toute façon on la connaît tous à la cinématique. Moi je l'ai vu trois fois, enfin c'est la troisième fois que je la vois. PEG en visuel. C'est le travail de ma vie! Hors de question que je cède quoi que ce soit! Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Laissez-le! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant! On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. Folie humaine. Alors, la boîte de réception de Dr. Birkin, on l'a eu avec Léon. Voilà, merci. Je regarde si j'ai rien oublié dans les étagères ou quelque part. Même si ça me dit que. Voilà. Peut-être juste à côté de la plante qu'elle a. Voilà, une petite plante bleue. Je vais aller la poser directement dans le coffre. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas une combinaison possible à faire? Si. Non. Voilà. Et je la dépose. Je trie même l'inventaire. Et on est content. Salle des bioréacs. Par ici la drepou. Normalement c'est Léon qui est censé faire ce boss, mais je sens qu'on va devoir le faire quand même. Ça c'est une des incohérences du scénario, entre les deux scénarios. Parce que le jeu est codé un peu bizarrement. Je dis ça, je dis rien. De la drepou.
De la drepoux, de la drepoux, toujours de la drepoux, j'en ai marre de voir de la drepoux partout. Allez hop. Alors, je peux prendre ça et faire ça aussi. Tac tac, tac tac. Et voilà, l'inventaire est rangé, beaucoup de poudre blanche, noire, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis satisfait. Je pourrais gagner du temps en prenant tout avec moi, mais je suis un grand chieur. Journal de recherche, on l'a lu avec Léon. Vous pouvez le relire 50 fois. Voilà, merci. Ah ouais, mais j'ai rien pour l'ouvrir. Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. Enfin. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir Chérie. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon temps. Hein, pour prendre un petit peu du bordel avec moi. Alors, pistolet mitrailleur, je prends, ça je prends. Voilà. Le mec il prend tout. Il prend tout. Au lieu de prendre du soin, il prend tout. Attendez, est-ce que j'ai encore des gregres qui traînent quelque part? Non, j'ai plus de gregres qui traînent. Voilà, j'ai pris tout ce que j'avais dans mon inventaire. Et je vais sauvegarder. Parce que je le vaux bien. Et si je regarde la map, j'ai tout exploré. Allez, allons-nous-en. Ce monstre. C'était mon mari. J'ai créé ce virus. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Je sais pas pourquoi je... J'ai pas pu. C'était votre mari. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et Chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. C'est pas une raison pour la laisser. C'est toi, on va en finir.
pas. Faut pas en finir. Peut-être me soigner avant qu'il me foute une claque. Bien beau ce revolver, mais la recharge est chiante. Chiante et lente. Bah tiens. Elle tombe plus ou moins bien ces babales. Ouah ! J'ai voulu l'éviter, mais j'ai raté mon coup. Ouch! Je vais mûrir si ça continue. Équipé dessus là, tiens. Non, mais équipe-toi de la bonne arme, espèce de cruche. On va faire comme ça. Touche. Mais c'est bien, j'en ai pas utilité moi de ce truc. C'est raté. Il arrache encore un truc, j'ai le temps de me mettre un peu aux abris. Ah ! Nom d'un chien ! Vous avez vu tout ce que je lui mets en pleine gueule? Il meurt pas! Oh putain, j'ai l'impression que plus je fais des campagnes, plus il est dur à tuer. Et pourtant, je suis en normal. Hein. Pff, oh là 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 là. Le jeu triche. Mon dernier soin.
Le jeu triche. Ah! Quand même! C'est pas trop tôt! Ah! Voilà, j'ai bougé quasi tous mes soins sur sa gueule. J'ai plus de munitions de quasi rien du tout, moi là. La cible est neutralisée. Ah, la quarantaine. Je rage. Putain. La campagne de Léon, ça va, ça allait. La campagne A de Claire, ça allait aussi. La campagne B. Laisse tomber, hein. Ascenseur de service opérationnel. Je me demande vraiment quelle incohérence le jeu va encore nous sortir vis-à-vis des deux campagnes. Parce que c'est, celle-ci est censée se passer en même temps que Léon. Hein. Combien d'armes là? J'en ai 6. Allez quoi, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ah, j'en ai marre. Vivement que ça se termine. J'espère que Chérie va bien. J'espère aussi. Là, bonjour les dégâts. Wouah. Attendez. Je vais en prendre 3, comme ça au moins je peux me faire une petite recharge. Ah putain d'aventure de... Je déteste cet inventaire. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis servi comme ça. Pff, qu'une affaire. En plus, pourquoi est-ce que je garde toutes ces armes sur moi? Enfin, c'est pas grave. Allez, on se casse. Mineshaft. Mip. Zone nord. Chérie va s'en sortir. Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Elle est guérie du virus G. T'as entendu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été attaquée par ce monstre. Pardonne-moi, chérie.
pour tout ça. Ta vie est tout ce qui importe. On peut pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Ça veut dire quoi? C'est le code d'autodestruction. Il s'active si le virus quitte le labo. Claire, sauve ma fille. Non! Il faut dire au revoir à ta maman. Allez, dis-lui au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Allez. Tu avais raison. Ta veste. J'ai de la chance de t'avoir. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher.